plaignez pas. Aujourd'hui, hier, c'était sans cam. On verra pour la remettre demain, peut-être, ce serait bien. Si je stream demain, ce qui n'est pas non plus dit encore. Tellement de choses qui ne sont pas sûres. Mais c'est probable. Ce serait bien. Ah, j'ai le Positivity Bot sur mon stream. Je suis assez content de le voir. Il m'avait manqué. C'est un peu mon bot préféré, tu vois. Hop. Donc voilà. J'espère qu'on m'entend bien. Qu'on entend bien le jeu aussi. Et on y va en fait. Ouais, je t'attends. Et puis la sorcière, es-tu là? Mais tu n'es pas là. À quoi bon? Oh, j'ai 10 000 pièces, ça sert à rien d'aller dans le magasin. De toute façon, j'y étais allé avant de me coucher hier. Avant de me coucher, non, je m'étais pas couché avant de finir le stream. Ce serait plus correct. Genre vraiment plus correct. Hop. Et c'est bon. Il est l'heure de jouer. Non, mais si personne n'est là, ça sera triste. Si cette sorcière n'est pas là et qu'elle loupe le début. Ce serait bien nul. Après, je vais vider dans 5 minutes. Et j'étais en avance. Hop. Faisons ça. Voilà. Alors, c'est peut-être... On va faire ça, on va faire un test. Oui, non, vous occupez pas de ça, hein, c'est juste un test. Ouais, non, ça fonctionne très bien. Parfait, allons-y. Yep. Ah, coucou, Fozug. Non, c'est pas le bon chapitre, Fozug. Ah, coucou, c'est ça, voilà. Là, tu vas rencontrer Luca, mais... Mais bon, c'est pas forcément celui que tu voulais non plus. So, our fates and our paths cross once again. Oui, il a besoin de tes lunettes, lui, pour voir ce qui se passe. Tes lunettes, hein, ensorcelées. Mais c'est un peu un personnage que t'as pas besoin. Le comique de service un peu dont ce serait bien passé. Voilà, tu vois, typiquement, c'est pas lui dont je te parlais, Fozug, promis. C'est pas un sage de Lumen, lui. Hein. C'est un pauvre humain tout pourri. De la reine, made of Nerine, also known as diamond lilies, I think. The name Nerine is derived from the Nereids, or sea nymphs. Mais lui, c'est le mec, c'est genre qui s'y croit à fond et qui est toujours ridicule. Luca? Will you quit calling me that? I'm not a pet or a cat. Oh wait, you. Oui, il est mignon. Alors, il gueule parce que dans le premier jeu, elle l'appelle sans cesse Chouchou. Ah, tu vois, c'est le mec qui reloupe toujours si ça fait. Ah, c'est Rodin qui lui a fait, d'accord. Donc, ces lunettes servent juste à voir les trucs, hein. C'est clairement pas des lunettes qui sont là pour le rendre sexy. I know you've got nothing but secrets. Hell, that goes for anyone, right? But if there's one thing I've learned in my line of work, it's when I found you. C'est censé être un journaliste. Et dans le premier jeu, tous les écrits que tu trouves, c'est lui qui les fait. Don't act dumb with me. You know the story better than anyone.
Voilà, les deux clans de la puissance, là, une guerre entre les deux, et les sorcières ont gagné, et les orques ont veillé à ce que finalement ce soit les humains qui exterminent les sorcières. And this overseer is the one who created the eyes of the world for humanity. The same ones that the clans held on to. Et sachant que les yeux dont il parle, ben ça c'est l'œil gauche. The true god of the human realm. Et le méchant du premier jeu c'était l'œil droit. The god of chaos. From what my research has told me, that god used to live right here in Noatum. That's why this place has gateways to each realm of the Trinity of Realities. La porta del paradiso. Voilà, la porte qui mène au paradis, c'est ça, c'est ce que je pensais, tu vas au paradis avant de, enfin, vers le paradis avant de t'occuper du singe du Luma. Et oui, pauvre Jeanne. Pauvre Jeanne. Some squirrels get all the nuts. You're a lucky little fella, huh? Ah, c'est clair qu'il est au chaud, hein. What can I say? I took a liking to one of the locals. So he's your little tour guide, huh? Look, I know this isn't the time to chat. Let me see what I can find out to help you. Au chaud avec difficulté pour respirer probablement. Don't you worry about my nose. I can smell trouble when I see it. You just take care of yourself. Et voilà. Ah. C'est comme ça qui... Ah, point, pied, piu piu piu. Ah, ça c'est esquive, ok. Changement d'arme, c'est en épée d'ailleurs. Oh, défi. À côté d'un chat. J'aime bien cette pose, tu sais, avec les épées. Bref, défi. Je pense qu'on va faire un niveau et qu'on va arrêter. Hein. On va pas commencer tard, donc je vais streamer un peu moins longtemps. Seul l'arsenal à la nuit peut infliger... Ah, d'accord. Hop, donne-moi ça. Non, pas du tout. J'ai pas pris l'arme d'ennemi. Ah oui, non, c'est Y, c'est vrai. C'est pas comme dans le premier jeu. Dans le premier jeu, en fait, t'avais, tu devais utiliser aussi des touches normales. C'est l'arc, ça, hein. Ah non, c'est pas l'arc, du tout. À l'arc. Ouais, easy. Oui, Taruto, bien sûr. Mais du coup, dans le premier jeu, c'était très chiant parce que des fois, tu chopais une arme ennemie et en fait, l'arme ennemie était extrêmement lente. Et tu pouvais pas t'en débarrasser, du coup c'était plus un malus qu'autre chose de choper les armes des ennemis. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Je me suis pris un seul coup. Hein. Deux coups. Et j'ai eu l'or, Fuzz. Easy. Oh, mais c'était un seul coup qui a compté pour deux. Ah, un coffre. Ah. Une sucette rose de sang. Donne-moi de l'argent. On laisse mon PLS du coup.
chose là-dessous? Non? Ah, c'est peut-être là où je dois aller du coup. Ouais. Probablement. On va remonter. Ce plotting qui compte maintenant. Oui, tout de suite. Non, non, non. Or, c'est très très bien. Platine, c'est pour les joueurs qui savent jouer. Ah! Ah, c'est peut-être ici que je vais. C'est peut-être sous l'eau que je vais aller du coup. Ou alors, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce monstre bizarre? Ouf! Oh, j'étais pas prêt. Allez hop! Vite, lui. Oh, petit bâtard qui m'a acheté ses flèches là. Bien. Mais je crois qu'il était mort. Pas du tout en fait, il m'a fait des feintes. Alors il y en a un autre qui a popé. Attends, j'ai une attaque sadique pour lui. Hop. On a séparé. La tête du corps. Ah ouais, non, c'est clairement là que je dois aller, c'est là où il y a le gosse, donc on va passer sous l'eau du coup. Je sais pas en vrai, hein. Je trouve que j'ai loupé un dialogue avec, avec le jeune parce que je passe sous l'eau. Ah! Un morceau de cœur, c'est très bien. Un morceau de cœur de sorcière, brisé. Tu vois, les horcruxes, ça se retrouve finalement. Hein. T'as beau les cacher sous l'eau dans un coffre scellé. Elle a ton argent, toi. Merci. Je me donne tous de la vie alors je veux de l'argent. J'aurais compris, bon, je me casse. Ah, il n'a pas l'air d'aller bien. ZR. Hop. On esquive la vague. Where did you learn that trick, little one? I've never seen a witch or a sage for that matter pull off something like that. Come on, love. You think I'm just going to tell you my secrets when I don't even know whose side you're on? All right. It seems I can control the remembrance of time. That's a big deal here. It seems. I mean, no. I got nothing else to say, love. The remember. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Time. What's that you're looking at? Right, let's go. I've got a party and I've no intention of being late. Oh, un corbeau. Hop, on a eu le... Oui, non, c'est pas toi que je veux. Un bouquin. Toujours. Fight, c'est une grande salle. Hop. Voilà.
Ah, il fonctionne comment mon truc? C'est pas grave, sur les attaques sadiques. Voilà, ça a fonctionné. Mon bâton qui je ne sais pas ce qu'il fait. Ah, il a peut-être rempli mes jauges en fait. C'est peut-être ça qu'il a fait, d'accord. Oh, je me suis pris ça, je pensais l'avoir esquivé, tiens. Pas grave, il tira bien. Tiens, prends-toi tes coups de... Ah, foutu un coup de patte le mec. Tiens, tu vois ce que ça fait ton marteau. Bronze, oulala, tout pourri. En même temps, j'ai pris cher. Mais non, j'ai pas eu chaud, tout était calculé. Tout. C'est-à-dire de lui faire mal à la tête de faire ça aux petits. Hein. Oh oui, un CD, une nouvelle arme. Il est où mon CD? Ah, il est là-bas. Excusez-moi, j'ai un CD d'aller chercher. Ah, et j'ai un CD à donner. Non mais je m'en fiche de toi. Oh, laisse-moi... Oui. No rest for the wicked, even if I am jollier than the average demon. But no need to pity me. I was bored anyways. Be right back. This one's gonna be fun. Been looking for a workout like this for a while. Ta-ta. Sacré CD. J'aime bien quand il revient tout en sang et tout, je trouve ça sympa. You know how they say life's a bitch? Try being dead for a couple millennia. Makes a demon cranky as shit. Don't think this demon will be complaining anymore. Oh, un arc. Oh oui. On va prendre l'arc. Alors, j'ai un nouveau parfum que je ne peux pas acheter parce que ça coûte cher. Et que je suis pauvre. On va mettre l'arc sur le deuxième set. J'ai un set avec épée pistolet, deuxième arc, deuxième set, on va mettre arc et arc pistolet. Alors. Typiquement. Oh. Speed, hein, la vache. Est-ce qu'il peut charger des flèches? Ah oui. Ouais, bref. Ah, il y a un coffre ici en fait. Ah, mais tu vises pas automatiquement ton coffre? Allez, vise-le. Petit truc à aller chercher. Ah, bah, il y a un autre coffre ici. On va le faire avec les épées, hein, ce sera plus rapide. Hein. Très bien. Ah, fight. Je vais tester mon nouvelle arme. Alors, changeons d'arme. La caméra était perdue.
niveau dégâts c'est pas ouf hein. Je pense que ce sera bien contre certains ennemis mais ouais la caméra contre le mur elle a été paumée hein. Très clairement. Argent ouais, c'était pas terrible. Mais alors pour ce que ça vaut la caméra ne m'a pas aidé. Je pense que ce sera bien contre certains ennemis d'avoir les flèches. Parce qu'il y a des ennemis qui sont chiants à attraper, qui sont dans les airs tout le temps et tout. Et contre cela, je pense que d'avoir des flèches, je serais content, mais sinon, à la plupart du temps, je vais plutôt rester à l'épée, je pense. Bien récupéré. Eh bien, allons-y. Ah, je pensais l'avoir esquivé, tiens, pourquoi je suis vraiment... C'était juste ça. Tiens, j'ai un marteau pour toi. Oh, je vais mourir si je continue. Ok. Tiens. La méthode lame. Je vous l'ai dit qu'elle serait utile cette. Qu'il serait utile cet arc. Bon, c'est utile quand il y a un monstre seul. Hein. Ah, fight! Il est où le monstre? Ah, bah attends. Tiens. Allez, bouffe. Allez, on châtie. Ah non, je peux châtier. Ah voilà. Apothéose, parfait. Ah, j'invoque le roi crapaud. Je vais faire un petit rototo. Non, même pas, il le bouffe juste. Propre. Oui, elle a clairement une lordose. Hein. Enfin, cette posture n'a rien de naturel. Oh! Un défi. Enfin, pour se tenir comme ça, c'est clair que il y a quelque chose qui va pas bien. Oh, je suis nul pour les combos. Oh là là. Ils sont où les méchants? Te voilà. On va juste bourrer hein. Non, mon combo. Non. C'est pas grave, on recommence. Ah bon, ça s'est bien passé. Bad boy. Non, bad girl, peut-être, je sais pas. J'ai pas bien entendu. Vous êtes sont plus forts que moi, je pense, pour le coup. Un peu plus de vie. On va pas cracher dessus. Allez, on se casse.
peux descendre, c'est ça? Ah oui, je vais, effectivement, je dois aller là. Il y a des trucs là-bas? J'ai pas l'impression. C'est juste de l'herbe. Ah! D'accord, ça met forcément sur le... Comme ça. Ok. Oui, bon, on va dire qu'il y a rien, du coup. Hop, ouvrons cette porte. Ah, je ne peux pas courir. Ce qui veut dire cinématique. Ah, fin de niveau. Oh putain, c'était court. C'était plus court que ce que j'aurais cru, pour le coup. Je suis un petit peu carry par les deux platines pures à la fin. Le mode double apothéose, comme je vous ai dit, c'est le mode multi, hein, donc faut finir le jeu avant d'y aller concrètement, ça sert à rien sinon. En fait, c'est un mode où tu enchaînes les ennemis. Bon, et bien du coup, vu que c'était extrêmement court, je pensais que ce serait plus long que ça, je vous propose quand même d'enchaîner. Ah, je peux m'acheter un parfum. Est-ce qu'on s'achèterait pas un petit parfum? Faut voir aussi le prix des armes pour les mettre au pied, c'est intéressant de mettre les... L'arc ou autre au pied. Oui, tu peux mettre l'arc au pied, hein, si t'achètes le l'arme. Welcome to the foundation of a barter economy. Ça coûte combien leurs armes? Ah non, j'ai que les épées. C'est intéressant aussi en vrai. Mais bon, les épées au pied, je suis pas sûr que c'est ce que je veux. Pas faire de l'Umbra Kafka, ça c'est pour l'arc et ça c'est pour les épées. Donc je crois que ça permet à mes armes d'être un peu plus fortes, d'avoir le pourf de parfum et j'aurai des trucs en plus sur mon personnage. Vous allez comprendre. On va prendre Rakshasa. Tant pis si j'ai plus de sous. Je vous montrerai. Genre dans le 1. Avec les griffes, oui, parce que t'as une arme, c'est des griffes dans le 1. Je crois qu'elle a une petite queue de chat. Tu vois que c'est une fausse queue, hein, c'est... mais bon. Don't just walk into Fimbulventer. We're going to have to be creative, love, if we're ever going to make it. Look over there. That's the Cathedral of Cascades. It was used for ritual worship of the mountain. Inside, there's a device that can build a bridge to the heavens. It'll take us halfway up Fimbulventer. An express pass. Right, love? Ah, je pense que je vais plus utiliser le sabre que l'arc, donc c'est plus intéressant, je pense, de prendre celui avec les épées. While you're in the remembering mood, you wouldn't happen to know where the entrance to Inferno is up there, would you? Inferno? You must be in some shit if you're volunteering to go there. Let me put it this way, love. Once we get to the mountain, you'll get your choice of going up or going down. Okay. Fimbulventer doesn't let you just stick around. And which way will you be going? Me? What's the matter, little one? Scared of what comes next? Shut up! Just... Get me to the mountain, little one. Get away from me. Ah. Ah. Bon, bah, bye bye, hein. Ah, c'est le gros serpent qu'on a vu tout à l'heure. L'optre requiert ta présence, à compter que tu survives au voyage. Ah! Là, typiquement, on va essayer de changer. Si je peux changer d'arme, tu peux pas? Non, j'ai pas l'air de pouvoir.
J'ai pas l'air de pouvoir. Ah, l'arc s'arrêtait bien, je pense. Je vais prendre des coups de queue, mais je sais pas quand. C'est pas très pratique cette chose-là. Je vais en prendre un là. Est-ce que je suis. Ah là, je suis à l'arc. Ah, j'ai pu changer. Elle est bien pratique les chauves-souris. Hein. Il m'a bouffé, j'étais pas prêt. Je veux juste le tirer dessus. Ah, il a perdu un petit peu de vie. Ça va être compliqué si c'est long comme. Ah, je l'ai eu. On l'a vu. Vous parlez des boss qu'on je serais content probablement d'avoir l'arc pour. Bien voilà. Hein. Mais je peux bouger de gauche à droite en fait. Je peux sauter et tout. Genre je joue, j'ai pas juste à spammer des boutons, d'accord. Ah mais ça fait deux fois que je me fais avoir par ça. Hein. Je suis pas prêt. Hein. Je l'ai à peine touché. Tiens, reste au sol. Oh ce bordel ce niveau. Tiens, tiens, je te tire des flèches. Là, je peux bouger, mais je suis pas sûr de où je bouge. Ouh. Oh, ce gros bordel, ce niveau. Oh, tiens, le voilà. Ah, j'étais prêt. On commence. Ah, c'est pas lui. Attaque-moi, voilà. Ah, on arrive vers un portail lumineux. Apparemment, je suis au paradis. Ah non, je suis aux portes du paradis. Ah, j'ai ça. Ça c'est bien, ça va faire du bien. Cours. Un coup de patte. Oh. Allez. Bourre de flèche. On le fera après quand il s'approchera de moi un peu. Ah là l'esquive était bien. Ouais, au mieux je reste à l'arc. Je peux pas taper là. Là je peux juste. Je suis pas content. Ah parfait, ça va être le moment de le bourrer. Oh j'ai pris cher là, il va bouffer. Bon d'accord, on va te. Oh, j'étais pas prêt pour le coup de papate. Ah oh, mais arrête. Là j'étais prêt, tiens.
Oh, j'étais pas prêt là. Oh, j'étais tellement pas prêt là. Tout se passera bien, tout se passera bien. Ça fait d'autres dégâts les flèches, mais au moins ça l'attaque quoi. Comment l'épée fait plus mal quoi. Ah mais ça je me le prends à chaque fois hein. Y'a pas moyen. Ouais j'ai réussi à esquiver mais c'était déjà ce merci les chauves-souris. Ça le coup que tu vois bien venir. On va peut-être bouffer une sucette hein, pour éviter de mourir. Ce sera pas... peut-être pas débile. Petite. C'est quand même bien de donner l'arc juste avant ça. Hein. Est-ce que comme ça je lui fais plus mal? Peut-être. Je pense pas. Hein. Ça, doit, ça a l'air de lui mettre des effets supplémentaires après l'arc. Hein. Il devient violet le monsieur. Hein. Le méchant monsieur devient violet. Hein, donc, ça suit plus facilement aussi, hein, ça va plus loin et tout. Je sais pas si c'est. Ah, clairement, ça va faire plus mal ça en fait. Ah, ouais, d'accord, je prends les coups parce que je suis pas gaffe à ça, mais. Ça fait plus mal si, ça a l'air de faire plus. Tiens d'ailleurs, en profiter pour. T'as fini, oui, de foutre des coups de papate. Personne n'a des coups de papate. Allez, bientôt l'apothéose. L'apothéose ? Ah, voilà. Le moment que tout le monde attendait. C'est qu'elle appelle cette fois-ci. Tant qu'à faire. Allez. On tranche tout ça. Ouais, j'ai pris un peu cher. Hein. Ouais. Je méritais pas mieux. Ah, il est méchant jusqu'au bout, hein. Même en mourant, elle a rire de méchant et tout. Hein. J'aime beaucoup comment ils sont déformés quand tu les tabasses. Après, tu sais, quand tu les vois avant, presque dans leur physique, un peu on va dire parfait, entre guillemets. Hein. Et après, quand ils. Ouais, bon bah. Écoute. C'est pas Pierre, alors. On prend. Bah c'était très court aussi. Est-ce que c'est pas le prochain niveau qui serait vraiment trop trop bien pour ça? Ah, oh, si, la rencontre. C'est ce niveau là qu'il faut absolument faire. Je peux pas m'arrêter avant celui-là, je suis désolé. J'ai... Oh, tu me diras, ça fait pas une heure que je stream. Non, non, il me reste 20 minutes encore. J'ai dit que je streamerais une heure, ça fait 40 minutes.
Je suis large. C'est absolument ce niveau-là qu'il faut que je fasse. Bah pas longtemps, 40 minutes, ça passe quand même. Mais les niveaux sont rapides donc c'est cool. You're the pervert staring at Bayonetta's tits all the time. You really need to learn how to talk to a lady. Hey, I am no... Wait, how did... No time for this, mate. Where's the mountain? Where's Fimbulventer? Ouais, elle est où la montagne? C'est qu'une montagne quoi, c'est pas comme si tu la voyais. Enfin même moi je vois les montagnes normalement. Il a un pire sens de l'orientation que moi, Foz. Il cherche les montagnes, lui. Voilà, Foz, ça c'est le niveau. Voilà, Chouchou, quand on dit Chouchou, elle parle de l'autre débile. Tu vois Foz? Déjà, première apparition, hop, il casse un truc qui apparaît derrière lui et il disparaît en mode mystérieux. Le truc derrière moi? Non? Ah, bien plouf. Il y a un truc en dessous. Et tombe. Un autre ici. Et un parton. Oh, il y a un coffre là-bas. Allons-y. Voilà, donne-moi mon cœur de sorcière. Mon petit horcrux là, j'en ai besoin. Ah, bon, il y a quelques petits fights avant, Foz, hein, mais t'en fais pas, il sera bien là. Hein. La rencontre arrivera et... J'ai l'impression qu'ils sont chiants, ces mobs-là. Ah, voilà, je dis ça, ils me défont direct, quoi. Tiens. Tiens, couché. Petit bâtard. Ah, un morceau de CD. Oui, parce que au départ t'as les CD en entier, mais non, après ça sera par morceau, il faudra trouver des morceaux qui seront un peu cachés par-ci par-là. Quand il y a un CD, il y a forcément une arme. C'est pas... Il y a quelque chose ici? Ah, fight contre les petits bâtards. Ah, au revoir monsieur. Bye. On danse. Ah oui, je sais pas. J'ai des taunts. C'est quelle touche les taunts? J'ai ça, mais. Non, mais c'est pas ça que je parlais. Non, arrête ça. Ah. Ah, selon l'arme, j'ai un truc différent, c'est marrant. Bref, pardon. Il y a un fight ici, il n'y a rien d'autre à chercher. Juste un fight, bien soit. C'est marrant ce fight après. Quelque chose en dessous. Genre des niveaux sur lesquels il va y avoir des trucs un peu cachés, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouvrons la porte. Ah. Ça fonctionne aussi, hein. J'ai envie de dire. Apparemment, moi non, mais
Alors, quand il y a la lune, elle peut marcher sur les murs, en fait, c'est ce qu'ils veulent te dire. C'est une sorcière de l'ombre, donc quand la lune est haute dans le ciel... Ok, tu me fais chier, toi, ton bouclier. Le bouclier, c'est la triche, monsieur. Alors... Tiens. Oh, j'ai peut-être un platine pur. Ah. On aime bien le platine pur de temps en temps, ça fait plaisir. Ça fait du bien à l'ego. Il va y avoir des coffres dans le coin. Il va y avoir des trucs dans le coin, c'est pas possible autrement. Ah. Typiquement. Ah oui, d'accord. Eh bien, soit. Bon, je suis même pas obligé de me presser, quoi. Il y a tellement de temps. Oh non, je vais le louper. Ça, par contre, il te laisse basse le temps. Après, c'est encore le début du jeu, donc bon. Forcément, ça doit y jouer, mais... Mais quand même. Donc... Est-ce que je dois grimper là-dessus ? Où est-ce que je dois ouvrir leur porte? Non, bah apparemment je dois ouvrir leur porte. Eh, prends cher. J'aime bien le boom quand elle le fout vraiment au sol. Ah, je vais rouler dessus, quoi. Tu vises pas bien, monsieur. Allez, on te finit toi. Tu te bouffes ? On te bouffe monsieur ? Ah c'est Y la touche. Et donc il n'y a plus la lune, je ne peux plus marcher sur les... courir sur les murs. Je pense que j'ai loupé masse de trucs et probablement la deuxième partie du CD qui me fait un petit peu chier. On va reprendre un petit peu de vie. Bah custom. Non, pas ça. Comment je fais pour accéder à la page de custom? Ah c'est ça. Pas du tout. Je voudrais bien faire de l'alchimie. Comment j'y vais? Non. Pas du tout. C'est là l'alchimie? Non. Bon, ça c'est tous mes bouquins. Oh, ça me fait suer. Je voudrais juste accéder au truc à côté là. Les ingrédients, bon c'est pas grave, on va bouffer ça. Non, pas du tout. En fait, c'est pas ça que je voulais faire, c'est... Je n'ai pas compris. Mais c'est là où ça arrive, Foz. Il sent que c'est derrière cette porte que...
C'est ça, parce que je suis attendu pour un combat des plus épiques. Peut-être qu'il y a encore 2-3 trucs à faire avant. Non, ça doit être là. Lui va se faire bourrer parce qu'il est nul, face à ça je le mène. My head feels like it's gonna burst. I have to get to that mountain. Shit! What was that? Nice mask, mate. Headed to that witch's party. Not the best costume I've ever seen, but she doesn't seem like the picky type. Just don't get in my way. Where is she? So you are going to her party. Quite the popular one, isn't she? Sorry, mate, but I haven't the fucking slightest. Haven't seen her in ages. Besides, even if I knew, she and I have a special... S'y croit tellement lui. Tout de suite parce qu'elle l'a foutu dans ses dans sa poitrine pour l'étouffer. Oui, j'arrive, mec. Mais attends, laisse-moi le temps, moi je cherche si j'ai pas loupé un CD quelque part, et je pense que si. J'ai loupé probablement une moitié de CD quelque part et ça me fait suer. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? J'aurais pas vu un CD ? Enfin, une moitié de CD ? S'il vous plaît, c'est important. Ah ! Tiens, attaque sadique, j'ai pas vu la tienne. Et on tourne, on tourne. Tiens. Boum. Il rentre ce combo, je le fais tout le temps, mais c'est parce que c'est mon préféré, je pense. Ah bah il est mort. Oups. Or. Bon, c'est un peu sévère. Or, tout ça parce que j'ai un peu raté mes combos. Pas touché de seule fois ni rien. Super. Oh, un coffre. Un coffre qui m'a été skippé par la sucette. C'est pas ce que je cherche, hein. Moi je cherche un. Je cherche des CD, monsieur. Oh, il y avait un corbeau. Il était où? Il revient le corbeau. Ah, il est là. Putain, il est là-haut, sérieusement? Hop, voilà, on l'a vu. Bon bref, allons-y. Mais clairement Fuzz, sur ce jeu, elle... Mais je te dis, quand je l'ai vu, donc elle était dans ce match, moi j'étais content, hein. Elle est cool. Elle est cool ce perso, vraiment, hein. Tellement, tellement cool dans le jeu que... Bon. J'ai encore un petit peu de temps pour trouver mon CD avant que ce soit l'heure du... Ah, le v'là. Oh, ça veut dire fight, ça. Si je vais chercher CD comme ça, c'est pas gratos, hein. Si c'est gratos. Eh ben très bien. Ah. Méchant. Mort. Ils ont l'air. Ah, quelle est ma nouvelle arme, Rodin? Dis-moi. Et désolé, Fuzz, du coup, je te fais un peu patienter. Mais le sage de l'Omen arrive. Another LP. No rest for the wicked. Even if I am jollier than the average. Ah, dommage, il a plus de dialogue que ça normalement. Bon, ouais, tant pis. I was bored anyways. Be right back. This one's gonna be fun. Deliotas, Super Smash Bros. Ultimate.
Tata. Juste après que tu aies parlé d'aller la train un peu à Bayonetta. Oh, ça a l'air stylé, Undyne. Ah non, du coup, est-ce que je prendrais pas Undyne pour la me foutre sous mes pieds? Parce que pour le coup. Ah non, elle coûte trop cher encore. Parce que malheureusement, je peux pas utiliser. J'ai déjà tous mes trucs qui sont utilisés. Ouais, qui tournent les portes de l'enfer. J'ai mon arc qui est sur l'autre modèle et je la prendrai sous les pieds pour aller avec l'arc, je pense, voir ce que ça fait. On va tester ça vite fait, mais pour le moment, je peux pas utiliser vraiment. Quand même tester parce que je suis curieux et que je me rappelle plus. Comment je change? Je pense que je dois faire un rond pour changer. Ouais, c'est ça. Du coup, les effets vont changer forcément aussi. Bref, on va remettre l'arc pour le moment. Je sais pas tout ce qu'elle fait. Ah, d'accord. Ah. Du coup, je peux faire pareil avec le feu. Ok. Bon. Faut quand même remettre l'arc parce que pour le moment j'ai besoin de ça. Tiens. Cassez-vous. Ah. J'ai fait fuir les amoureux du coup. Ah oui, bah attendez. Je vais bien vous accueillir. Avec vos shields là. On m'a dit que le petit bouclier c'était de la triche. Ah, je peux châtier. Ah ouais. J'aime bien châtier moi. Tiens. Je tape. Hop. Bon, pause. Peut-être que derrière cette porte. Ah oui, clairement. Et il y va doucement là. On little children. I'm not a child. A mask. Let me guess. This is one of your assistants, little one. Nothing comes to mind, love. Sorry. Maybe you've got something you'd like to tell me, love. I'm not a fan of getting wrapped up in domestic disputes. Trust me, little one. He's not my type. C'est déjà plus dans ton genre, Foz. Sa gueule, elle est pas mal, il me semble. Ah,
semble que ça galérait pas mal, je peux me tromper mais il me semble que ça va. Et quand je l'attaque c'est... tu vois mon avoc qui l'attaque aussi du coup. Non, calme-toi bien toi. Calme-toi bien, on a dit monsieur. Oh, j'ai pris cher. Il triche aussi. Mais cela gagne. On va mourir si on prend pas un truc. Cette devise serait bien. Typiquement là je serais mort. Ah je me suis pris ça, fake. Oh, ces combats qui font aucun sens quoi. Ah j'ai rien vu, je me prends tout et j'esquive plus rien. Ah, ça c'est bon. Allez, je suis l'invoque. Tiens. Ah faut que j'esquive un peu hein. Mais j'arrive pas à esquiver aussi. Allez. Et voilà, 1h05 de stream. Et on a fini ce niveau. Sur une belle statue d'or. Vous pouvez être fier de moi. Soyez fiers. Soyez fiers. Bon, il dit pas cool ce combat quand même. Un peu.
peu cool quand même ce combat. Évidemment dans la surenchère, mais ça c'est ce qui fait le charme du jeu, tu vois. Donc voilà, c'était l'heure de Bayonetta du soir. On va peut-être passer voir si on peut acheter un truc. Si je peux faire de la chimie, parce que j'ai pas compris comment je pouvais la faire. Let me read minds. You're thinking, shut up and take my halos. Let's do it. Oh, j'ai de l'argent. Parfait. Je voulais acheter... Non, pas le parfum, je voulais acheter l'arme. Pour la foutre au pied. Tu me diras, elle avait pas l'air ouf l'arme. Puis ça coûte cher quoi. Ça me fait un peu chier. Oh, j'ai pas équipé le parfum, j'ai oublié. Le débile. Technique. C'est bien le stiletto. Afterburner kick, c'est pris. Torsion de sorcière, c'est pris. Torsion de sorcière, c'est cool aussi. Des trucs que je dise pas alors que c'est cool en vrai. Je suis bête. Ah, peut-être prendre la forme du corbeau, tiens. Ouais, Undead, ça coûte cher. Hein. Ouais, non. On verra peut-être pour prendre Undyne, mais à mon avis, je vais pas trop utiliser cette arme, elle me donne pas envie. On va voir si je peux pas aller dans les menus équiper mon parfum. Voilà, personnalisation. Non, aucun accessoire, mais oui. Ah, mais c'est parce que j'en ai pas, d'accord. Attends. Non, c'est l'autre que je veux, c'est le B. Comment je fais pour... Ah, voilà. Ah, Y. Hop. Logiquement, ça change un peu le personnage, mais là, on le voit pas, je pense. Mais au moins, j'ai mis le parfum dessus. Voilà. Et on peut s'arrêter là. Pour ce soir... Ah là, bien peut-être que si la sorcière est déjà partie, on n'en va plus parler depuis un petit moment. Si tu es là, merci en tout cas d'être passé, même si la sorcière, si tu es couché, bien je comprendrai, il est tard, enfin tôt, enfin ça dépend pour qui. En tous les cas, je comprends. Foz, j'espère que t'as apprécié le fight, parce qu'il était quand même vachement cool ce fight, je trouve. Et que bon, tu le regardais, tu disais wow, oh, 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 pardon. Bref, j'arrête là. Et t'as vu, il est stylé le sage de l'Omen quand même. C'est pas tout le monde qui fait des fights comme ça. Et je sais pas trop ce genre de bruit. Non mais t'abuses, tu pourrais faire un effort quoi. Oh, oh, ah, pardon. Bon, sur ce, voilà, hein, arrêtons les conneries. Une musique de fin qu'on va trouver dans le truc du pif, là, comme d'hab. Et ce sera très très bien. On va appeler ça un stream. Oh, 1h10. Un petit stream, mais un stream quand même, tu vois. Hop. Qu'est-ce que tu vas me mettre au pif? Non. Hop, chanson au pif. C'était quoi ça? C'était nul. Ah, c'est très triste ça, donc non, on va éviter. Ça sera très bien, voilà. Ah non, c'est pas celle que j'ai mis hier ça? Non, pas du tout. Je crois pas. Peut-être. Celle-ci que j'ai mis hier, ouais, celle-ci que j'ai mis hier, voilà. Bon, très bien, voilà. Des bisous, merci d'être venu. Bonne nuit.
va aller chercher les musiques, donc on va en trouver une bien. Et ce coup-ci, c'est bon, c'est la bonne. Des musiques. Des bisous, bonne nuit.